C'est pour toi, c'est pour toi, pour toi, bébé. C'est pour toi, c'est pour toi, pour toi, bébé. Je connais la cuisine, je connais le ménage, je connais faire le aïe, oui. Ouais, internet a déconné. Pas de réseau, et on va alors faire comment? On va aller voler le réseau. Il n'y a pas de réseau, aïe, pas de réseau. Mais moi j'ai le réseau ici. Ici. Il y a le réseau ici, 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 en bas, en bas. Il n'y a pas de connexion. Ok. Oh. Il n'y a pas de connexion. Bia boya, biboya, bikeve. Oh, Achambe, ça m'a dit, bibelki connexion. Grand-mère, babekiri. On bombe en dans le main. Baba Kiro, à grand-mère. Aïe. Manengwan, ya, manem, c'est-à-dire, ne m'a zemine, boue langdan zam. Manengwan, voramouk, matou manengwan ou toloa. Iminga, anga bie se wam. Anga bungwan fong, ya mvorom bia. Un nambalo na dengon yon was ke kum fa is am vorm bia rame wama angabun gwan fong ya zo atele wana imorki anga bien yam vam wa me min ganga bien yam vam wa manga ba za ngwa antet abalu onu ngwa antet mvok zambu ilang dan zama tili a kote esye wam e yon ten da ha a kote nye wama i min ganga bie grandpère wam angabu angabun gwan asalbe pegro angabun gwan vok manse grand-père wama angabu man gwan vok manse mia wama e yon ten de imin ge ki angabye nye wame man angabye ma bumite anu jun madelen nye we angabun gwan kongo ya pointe noir un nambalwa ne pointe noir. Un des grands-pères ou amanga ka ibon wanwe. Ndaga ke vu grand-mère ou amaboum. Mimbias a ting. De ilan dan zamzili. Les gens qui viennent dire que nous sommes des sœurs, nous sommes ceci. Je suis une fille mvoramo 100%. Je suis manungwano toloa de Mbalmayo. C'est pour cela, vous voyez toujours quand je parle d'union. Parce que quand on était jeune, on avait une expression, on dit que le ouan long. On dit toujours que le ouan long, c'est pour rigoler, va tomber un nion, c'est une expression. Que le ouan long, c'était comme ça. Un deux. Et yon, ma beau, ma maman. Aloïs, de 1,
ce n'est pas toi qui payes mes factures. De deux, ce n'est pas toi qui me soignes quand je suis malade. De trois, ce n'est pas toi qui éduques mes enfants. De quatre, ce n'est pas toi qui me laves la chatte. Que ça soit la dernière fois, parce que vous les Noirs, vous les Camerounais, c'est votre préoccupation. Vous aimez vous occuper des choses qui ne vous regardent pas. C'est votre maladie, c'est-à-dire la maladie d'occupation. Tu veux savoir à quelle heure je me pose? Tu ne savais pas. Je me repose avec ton père sur le même lit à 4 heures du matin. Il a une oiseau. Imbécile. Reviens me poser la question. Il est 16 heures. Depuis le matin, tu savais que je faisais quoi? Tu vois seulement ce que je fais. Et je vais vous dire quelque chose. Toutes les Facebookeuses que vous voyez là, elles sont pleinement occupées dans leur vie. C'est parce que quand on a un petit moment, on s'assoit, on fait une vidéo. Moi, je suis occupée. Hein. Tu ne peux pas arriver chez moi. Tu trouves les assiettes dans l'évier. Tu trouves la maison sale. Ou alors tu meurs de faim chez moi. Parce que je suis une vraie femme. Là, si tu arrives chez moi, il y aura trois repas. Il y a le bouillon de poisson. Il y a les ailes de poulet avec le piment chez moi. Alors que chez les, il y a même chez les filles normales qui ne font pas les vidéos. Tu arrives chez elles, les vidéos sont dans l'évier parce que depuis le matin, elle fait le Congossa sur WhatsApp. C'est ça, c'est ce. La paresse est compose. Mon gars, il y a un gars qui m'a côtoyé, qui m'a connu. Il m'a dit un jour, Valérie, quand on te voit sur Facebook, on te juge mal, mais tu es autrement. Parce que tu es une vraie femme. Je ne me vante pas, je suis une vraie femme. J'ai deux enfants. Ils sont bien élevés. Partout où mes enfants passent, il n'y a que du positif. Quand mon fils part au Cameroun, c'est ma famille qui m'appelle. On dit, Valérie, on te remercie. Tu as donné une bonne éducation à tes enfants. L'apparence est trompeuse. Ne regardez pas parce que vous voyez quelqu'un faire ces choses, que ça veut dire que cette personne n'a pas tous ses sens. Ne viens plus me poser cette question. Parce que le jour que tu vas encore me poser cette question, je veux très mal te répondre. Je serai très mal poli. Je serai désagréable. Tu veux savoir quand je me repose, viens toquer dans la chambre de ton père. Tu verras que je suis sur ton père en train de lui faire l'amour. Tu viens me poser les questions comme si toi et moi, on suit souvent les plantes. On mange souvent les plantains ensemble. Occupez-vous de vos affaires. C'est ce qui nous tue. On passe le temps à essuyer les fesses des autres, alors que toi-même, tu as les fesses pleines de caca. Vous passez le temps à essuyer les fesses. Et viens, je t'essuie les fesses, alors que ta paille est remplie de caca, d'asticots, de poils. Mais tu veux seulement se lever, aller essuyer les fesses de l'autre, alors que pour toi-même, là où tu es assis, il y a les morpions qui te grattent. C'est ce qui nous tue. La maladie d'occupation. La maladie d'occupation. Oh, Amania. Le hoha est fini. Ah, me bime nouilang. Moi, je suis vulgaire. Hein. Quand vous m'énervez, je deviens vulgaire. Ma beauté, ma richesse, tout est à toi.
Elles font les vidéos, elles mettent leur musique. Pas le wan 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 ho hamania. Moi, je fais la vidéo et je mets ma musique. On n'est pas pareil. Ça, ce sont mes œuvres. Ce sont les œuvres de l'esprit. Vous allez dire que je n'ai rien chanté. Allez voir Jésus et revenez. Avant qu'il signe que je n'ai rien dit. Oh là là. Je connais la cuisine. Son oro. Dimitri Maka Asia. Le célibat est revenu. Oh. Dimitri Maka Asia. Oh. Beaucoup de courage. Je sais faire la cuisine. Je sais faire le ménage. J'adore la 4 paquets bébé. J'aime ma 4 paquets bébé. J'adore la 4 paquets bébé. Tic tac. Ah bon, mon loup. Ne va pas ricoler. Bon. Je vous regarde comme Jésus regarde Satan. Je vous regarde comme Jésus regarde Satan. J'ai donc compris que tu m'aimes, ma doudou. Parce que le coup long, ça dure souvent.